Bonjour tout le monde, salut. Salut à tous, je suis sûre que vous allez bien. J'espère que ça va, bonjour à tout le monde. Salut, salut, salut. Ça y est, on est en place pour le 12e live workout, certainement le dernier pour la série en fait au bord de l'Erdre, au bord de la Loire, pardon, c'est pas l'Erdre, c'est la Loire. J'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien, j'attends que tout le monde se connecte. On commence à m'envoyer des petits pouces, faites-moi un salut, je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, d'accord, un bon week-end, le week-end dernier, 1er mai. J'espère que vous allez bien, d'accord. Tout le monde doit se préparer un petit peu à la fin du confinement au 11 mai, donc on est encore là, je suis encore là avec vous et on va s'entraîner ensemble. Alors pour aujourd'hui, il vous faut un tapis, des haltères et une corde à sauter, d'accord. J'espère que vous avez réussi à en avoir une, ok. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, d'accord. Vous imiterez les gestes, la gestuelle avec la corde à sauter. Si au bout d'un moment vous n'arrivez plus à faire de la corde à sauter, bah c'est pas grave, vous l'enlèverez aussi. Mais on va essayer quand même de s'entraîner avec aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut m'envoyer des petits messages, à savoir si vous m'entendez correctement, d'accord. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez ma voix? Envoyez-moi des petits messages. Dites-moi si c'est ok pour vous. N'hésitez pas, hein, d'accord. Envoyez-moi des petits messages, dites-moi, écrivez-moi. En attendant, tout le monde se connecte, tout le monde va arriver sur le live pour faire cette 12e séance workout. Alors, ça dit quoi? On m'entend? Envoyez-moi des petits messages, hein, d'accord. Envoyez-moi des pouces si c'est bien. S'il y a des petites demandes, écrivez rapidement pour qu'on puisse commencer notre séance et notre échauffement. Alors, c'est comment? C'est bien? Ok. Au niveau de la musique, je vais monter peut-être un petit peu le son. Allez. Alors, c'est comment là? Vous m'entendez toujours? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend ma voix? On entend? On y va, on commence? Dites-moi si c'est ok, on m'envoie des pouces ou on écrit rapidement? C'est ok? Allez, c'est parti. Au début, t'as pas besoin de matériel. Tu prends de l'espace, ouvre tes pieds et c'est parti avec des petites flexions. Les orteils un petit peu en extérieur. Tu fléchis tes genoux, tu envoies tes fesses en arrière. Engage tes abdominaux. Serre bien ton ventre. Allez, encore. 8. Petit pointé droite et gauche, tranquille. Allonge les bras et tire-toi. Allez, respire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allonge les bras devant. Droit et gauche. Bras droit, bras gauche. Sois fléchi un petit peu dans tes jambes. Ok, engage tes abdominaux. J'en veux 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, ok, passe au milieu, flexion, petit. Allez, tu descends. Respire bien. Enlis-toi. Hein. Bon, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes prêts, hein. J'espère que vous êtes motivés, d'accord. Petite séance d'intervalle training, d'accord. Un bon travail de fond. Et après, un peu de renforcement. Juste après, ce sera les étirements, stretching, relaxation. Allez, on est parti en squat, tu descends en deux temps. 1, 2, souffle, monte et inspire. Essouffle, remonte, serre les abdos. Baisse, baisse. Souffle, monte. Inspire, descend. Essouffle, remonte, encore. Baisse, baisse. Monte, monte, encore. Baisse, baisse. Ok, t'es parti avec un genou droit, un genou gauche. C'est devant. Allez, serre ton ventre. Grandissez-vous, hein. Serrez votre ventre. J'en veux 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, ok, tu trottines sur place. Trottine un peu. Allez, accélère un petit peu ton mouvement si c'est possible. Si c'est possible pour toi, augmente l'amplitude. Encore 4, 3, 2, on allonge les bras au ciel. Allez, continue dans le rythme. Respire bien. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloqué au sol. Ok, pousse main droite, pousse main gauche. Respire bien. Allez, j'en veux 8, 6 et 4, 3, 2. Tu vas passer au milieu, tu reprends le petit squat, baby squat. Ok, écrase bien tes talons dans le sol. 4, 3, 2. On descend en deux temps. Et 1 et 2. Tu souffles, tu lèves. Inspire, descends. On accélère.
ventre. Encore. Ok, tu remontes, petit point tes droites et gauche. Roule tes épaules. Allez, respire bien. Allez, encore. 4, 3, 2. Bloquez au milieu, roulez les épaules en avant. En avant. Allez, chauffe bien tes articulations, respire. Ok, relâche. Tourne la tête. On change de sens. Inverse. Encore deux. Dernier tour. Ok, reprends ici. Allonge bras droit, allonge bras gauche. Allez, respire bien. Encore 4, 3, 2. Allonge tes bras au ciel. Bras droit, bras gauche. Étire-toi. Très bien. Allonge la taille, ne passe pas le bras devant le visage. Hein. C'est à côté de ton oreille. J'en veux 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, petit squat. Baby, hein. Tranquille. Écrase tes talons. C'est juste un échauffement plus au niveau de tes genoux là. D'accord ? Amène un peu de mobilité. On va pas jusqu'en bas. Ok, encore un peu. J'en veux 4. 3. Maintenant tu vas descendre en 4 temps. Descends doucement. 4. 3. 2. T'es tout en bas. Tu montes. 4. 3. Quand tu remontes, tu m'engages tes fessiers. Baisse. 2. 3. 4. Et monte souffle. 2. 3. 4. Encore. Descends. Quand tu remontes, je veux pas que tu emmènes le bassin en avant. Hein. Tu arrêtes ton bassin aligné avec tes genoux, tes épaules. Ici, milieu. 1, 2, continue. 3, 4, très bien. Tu montes. Accélérez la cadence. Single. Relâche, contracte les fesses. Serre ton ventre en permanence, on est ok. J'en veux 4. Allez, j'en veux 3. Encore. 2. Parfait. Dernière, petit pointé. Reprends les bras. Ok, allonge devant vers moi. Et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, talons fesses, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, serrez votre ventre, hein. Allez encore, 4, 3, 2, passez genoux devant, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, et 4, et 3, et 2, ok, dernier, tu trottines sur place. Les bras au ciel, c'est en haut, c'est ouvert, en haut, ouvert, encore, souffle, ouvre, allez, tu m'en fais 4, encore, tu m'en fais 3, très bien, et 2, ok, dernière, bloqué, roulez les épaules à nouveau sur place, bon, ça va tout le monde, on est chauffé ou quoi, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes bien, d'accord, n'hésitez pas à rouler un peu plus les épaules, ok, tu changes de sens, roule dans l'autre sens, allez, motive-toi. Encore un petit peu. Ok, bon. L'échauffement est terminé. Donc, on va commencer déjà par boire un petit peu. On va s'hydrater un petit peu. Et on va commencer l'exercice. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Bois un coup et je t'explique tout ça. Tu bois un peu. Tu vas bosser sur 30 secondes, 30 secondes de travail sur un premier exercice, 35 secondes sur un second exercice, et tu auras 25 secondes de récupération. Ça fait 30, 35, 25. D'accord ? Je travaille sur 30, je travaille sur 35, je récupère sur 25. Ok ? Tu vas avoir 6 exercices différents que l'on va répéter 3 fois. Et sur les 6 rounds, en fait, que tu vas faire, tu vas avoir systématiquement de la corde à sauter à faire. D'accord ? La corde à sauter sera inclue dans ton intervalle training. Donc, ton premier exercice, ce sera des pompes sur les genoux. D'accord ? Tu vas t'installer avec tes mains au sol. Alors, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à utiliser ce genre de poignet. D'accord ? Moi, j'ai un peu mal en ce moment au poignet, donc ça va m'aider au niveau des appuis. D'accord ? Mais t'es pas obligé, hein, sinon tu les mets au sol. Allez, y a tout qui s'envole. Alors, tu vas t'installer au sol, ok ? Tu vas faire des pompes pendant 30 secondes. Quand tu auras fait tes pompes, tu prendras ta corde à sauter et tu feras 30
D'accord. J'espère que tout le monde s'accorde. On essaiera de rester pieds joints. Ok, un maximum. Tu fais de la corde à sauter pieds joints. Si c'est compliqué, tu vas te mettre à sautiller droite-gauche. D'accord. Mais essayez de garder un maximum de vitesse sur tout ce qui va être corde à sauter. Quand tu auras fait tes pompes, quand tu auras fait de la corde à sauter, tu feras ta première pause. D'accord. Ta première pause, elle sera là. Et après, il y aura un deuxième exercice, troisième exercice. Mais la corde à sauter, elle sera présente à chaque fois. C'est la thématique d'aujourd'hui. D'accord. Si tu n'as pas de corde, t'imites le mouvement et tu sautilles. Un pied devant, un pied derrière si tu préfères. Tu sautilles droite-gauche, d'accord. Tu choisis vraiment ton option, ok. Bon, j'arrête de parler, tu gardes ta corde près de toi, d'accord. Tu l'installes, tu la mets toujours à la même place, ça t'évitera de perdre du temps, d'accord. Bon, il y a du vent, je vais ramener mon tapis. Voilà, pour éviter qu'il s'envole. On est parti. Premier exercice sur les pompes, d'accord. Donc avec tes poignets ou sans tes poignets, ça m'est égal, d'accord. Si tu peux faire des pompes sur les pieds, tu fais tes pompes sur tes pieds. Ça dure 30 secondes, d'accord. On y va, premier training. Mets-toi sur les genoux, mets-toi sur les pieds. 3, 2, c'est maintenant, top chrono. Allez, 30 secondes de pompes. Tu te grandis bien, tu serres ton ventre. Tes mains sont sous tes épaules ou éventuellement plus larges pour travailler plus les pectoraux, d'accord. Tu essaies d'ouvrir les coudes à 90 degrés. Respire bien. Allez, tire-moi. Respire. Si tu n'as pas les poignets, c'est la même chose avec les mains ouvertes. Tu montes, tu descends. D'accord. Tu t'accroches. Il reste 7 secondes avant la corde à sauter. Allez, on se prépare. Encore un petit peu. Et tu relâches. C'est parti. Tu prends ta corde. Et on est parti sur 35 secondes. 35 secondes de corde. Alors, soit un pied alterné, les pieds alternés, soit pieds joints. Alors. Allez. Respire bien. 15 secondes. Encore.
allez. Allez, encore, courage. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. 9 secondes. Okay. Récupère.
Souffle. Souffle bien. Donc ce qu'on vient de faire là, tu vas le faire encore deux fois. Trois fois tout l'exercice, tous les exercices qu'on vient de faire. C'est ta grosse partie de la séance, d'accord? C'est le gros corps de séance de ton intervalle, en intervalle training, de ta séance full workout. D'accord? Allez. Ton premier exercice, ce sont les pompes, tu te rappelles? Donc tu installes tes genoux si tu veux sur ton tapis, sinon tu es en planche. C'est maintenant, allez, top chrono! Allez, serre ton ventre. Soit les pieds joints, soit un pied sur deux. D'accord, mais mets de la vitesse. Allez, courage, accroche-toi. Tiens bon. Il reste 5 secondes, courage. Après ça, c'est ta première pause de ce deuxième tour. Ok, stop. Tu relâches. Ok. Deuxième exercice, ce sont les squats. D'accord? Descends, saute. Si c'est compliqué pour toi, tu enlèves le petit saut. D'accord? C'est ce qui va aller chercher un peu plus de sollicitation. On est bon? Allez. Quand tu descends en squat, descends bien les fesses. Engage bien tes abdos. Allez, squat, c'est parti. Descends. Saute. Allez, courage. On est ensemble, on continue. Allez, accroche-toi. On travaille ensemble. Vous ne lâchez rien. Tiens bon. Hein. Pensez à lever le regard. N'allongez pas trop les bras devant. Mettez plutôt les mains sous le menton. Bien. Corde à sauter, c'est parti. Allez. Serre le ventre. Allez, courage. Dix secondes de corde. Allez, courage. Stop, tu relâches. Ça va tout le monde? J'espère. On attaque le troisième exercice. Mountain climber. Sans la course ou avec la course, hein. Allez, c'est parti. Ne creusez pas votre dos. Et si c'est compliqué, vous restez en statique. Encore option, plus facile, sur tes genoux, d'accord? Tu choisis l'intensité de ton exercice. Rien ne t'empêche de reprendre plus tard, hein. Allez, courage. Continue, 5 secondes. Accroche-toi. On passe ensuite sur la corde à sauter. C'est maintenant, top. Allez, corde. Allez, courage. Tenez bon. Allez, tiens bon. Olé. Allez.
Et c'est pas grave quand ça s'arrête, d'accord, on reprend. On perd pas de temps. Ok, c'est la pause. Souffle. Ça va toujours. Accroche-toi. La force. Après, mountain climber, les fentes arrière. T'es prêt? Fente, hein? En croisée. D'accord? Reste fixe au niveau du buste. Tac. Et tu remontes. L'autre côté. Ça va toujours? Accroche-toi. Allez, accroche-toi. Serre le ventre. Serre bien ton ventre. Encore. Corde à sauter. C'est parti. Tu respires bien. Souffle. Encore un petit peu. Allez, 10 secondes à peine. Courage, courage. Lâche pas. Serre ton ventre. Ok, corde à sauter. Reprends ta corde. Prends ta corde. Allez, c'est parti. Après ça, tu auras ta pause. Allez, courage. Récupération, tu bois un coup maintenant. Tu souffles bien.
respirez bien. J'espère que ça va. Je reprogramme tout ça. Tu t'accroches. On part dans 15 secondes. 15 secondes et on repart. Prêt ? Les pompes, tu t'installes ? Les mains au sol, avec tes poignets. 3, 2, c'est maintenant, top chrono. Allez, on y est. C'est parti. Soufflez quand vous montez. Accrochez-vous. Respirez bien. Allez, tu lâches rien. Est-ce que ton ventre est serré? Si t'es à l'aise sur les pieds, tu fais tes pompes sur tes pieds. D'accord? Tu t'accroches. Tu me serres ton ventre. Pas de dos creux. Tu peux écarter les mains un peu plus. Plus c'est large, plus c'est sur les pecs, plus t'es serré, plus tu vas être sur les triceps. Allez, accroche-toi. Encore. C'est la corde à sauter. Maintenant. Allez, tu relâches. Hop. Attaque ta corde. On y va? Allez, courage. Tiens bon. Pense à serrer ton ventre. Engage ton périnée. Contracte. 15 secondes. Lâche pas. 14 secondes. Encore. Allez, tiens bon. Parfait. T'es prêt? Deuxième exercice, les squats. Saute et ouvre. Les pieds larges, plus larges que tes hanches, tes talons dans le sol. Engagement dans ton ventre. Tu descends jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, squat, saute. Double rebond. Allez, courage. Accroche-toi. Allez, tiens bon. Lâche pas. Ok, dernière. Ok, corde. Corde à sauter. Du bassin au départ, tu descends en croisée derrière.
D'accord? Essaie d'amener le genou derrière toi à 90 degrés, pose tes orteils, jamais le talon. Ne pose jamais le talon derrière toi. 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux poser éventuellement la rotule au sol, mais tu ne dois pas te faire mal. D'accord? C'est pas une obligation. Serre ton ventre. Respire bien, grandis-toi. Ne penche pas la tête. Lève le regard. Allez, souffle. Respire bien. Corde à sauter. Allez. J'ai oublié les mountain climbers. On va passer sur les mountain climbers. D'accord ? Ton troisième exercice était les mountain climbers. On passe là-dessus. Prêt ? On y est, c'est parti. Ok, tu lâches. La corde. La corde. Allez. Je descends. Main, coude. Option, plus facile, tu resteras en statique, soit sur les coudes, soit sur les mains. D'accord ? 3, 2, c'est parti. Tu peux aussi faire l'exercice sur les genoux et monter, descendre. Hein. Sinon, tu restes en statique sur les mains, sur les coudes, sur les genoux si c'est encore trop compliqué. Tu restes en statique, hein. Tu montes, tu descends. Serre les abdos. Serre le ventre. Ok. Relâche. La corde. Allez, tiens bon. Il nous en reste un. L'exercice du Harlow. Renforcement lombaire, engagement dans le ventre. Lève la poitrine, lève tes jambes. On est pris ? Allonge-toi. C'est parti. Top chrono. Reste en place, lève la poitrine, lève tes jambes,
Serre les fessiers. Grandis-toi. Regarde vers le sol. 3, 2, c'est parti, exercice 2, c'est-à-dire la corde. Allez, corde à sauter. C'est la dernière fois pour la corde. Allez, courage, dernière fois. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Allez. Encore courage. 14 secondes. Serre le ventre. Allez, allez, allez. 3, 2, 1. Et stop. C'est bien. On a terminé le challenge. Bravo à tout le monde. C'est top. Bravo à tous. Super. Super, super. Buvez un coup. Respirez. Ok, respirez bien. Bon, j'espère que ça va. Buvez un peu. Et envoyez-moi des petits messages, envoyez-moi des pouces, dites-moi comment ça va, d'accord? Vous prenez le temps de boire, et là échangez un petit peu avec moi, dites-moi comment c'était. Dites-moi comment ça a été, si vous allez tous bien, d'accord? Pour le moment, buvez, et envoyez-moi des petits signes. Bon, c'est une bonne séance, ça a changé un peu, corde à sauter. Si t'avais pas de corde à sauter, je te rappelle que tu aurais pu faire les exercices, tu pouvais faire les exercices juste en sautillant, d'accord? T'imitais le mouvement, la gestuelle de la corde. Bon, j'espère que vous avez bien serré votre ventre aussi pendant tous ces exercices de petits sauts. Engagement du périnée, d'accord. J'espère que vous êtes grandi un maximum. J'espère que vous avez bien respecté les mouvements propres, d'accord. Toujours avec une bonne, un bon placement, la sécurité dans ce que vous faites, d'accord. C'est la 12e séance. Normalement, tu as suivi les séances dans l'ordre. C'était mieux si tu l'avais fait, d'accord. Puisqu'il y a vraiment une progression séance après séance. Une augmentation un peu de l'intensité, la difficulté et dans les exercices et dans le temps de travail, d'accord. Donc c'est important de respecter la chronologie des séances. C'est ta 12e séance, d'accord. Donc j'espère que les exercices ont été clairs pour toi. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tu t'es dépassé une fois de plus, que tu es allé chercher un peu tes limites. C'est l'objectif de l'intervalle training, d'accord. C'est d'aller chercher la zone rouge. Il faut aller chercher la zone rouge. On brûle des calories en se dépassant, d'accord. On va chercher l'athlétisation de notre métabolisme, de notre organisme, d'accord, en allant chercher un effort profond. Bon, comment c'est? Ça dit quoi les commentaires? Ça va? Tout le monde va bien? J'espère que ça va bien, j'espère. Hein. Envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs, hein, envoyez-moi de la force. On n'a pas encore terminé la séance, hein. Maintenant on va passer sur la partie renfort. D'accord? Tu vas avoir besoin de tes haltères, ok? On va travailler le haut du corps. Plutôt les épaules, les biceps, les triceps. Épaules, biceps, triceps. Pour la dernière partie de la séance. Tu prends tes haltères, tu prends tes poids. Et on va commencer. On va attaquer cette deuxième partie de séance qui va durer approximativement 15 minutes. Et après, on va s'étirer. Relaxation. Allez. On y va, tu prends tes poids. On commence avec les biceps, d'accord. Tu es debout, pieds parallèles à l'argent de ton bassin. Tes haltères sont devant toi. Essaie d'ouvrir tes épaules, de ne pas avoir les épaules en fermeture et un dos rond, d'accord. Tu essaies d'ouvrir un maximum, tu grandis bien. Ici, tu fléchis, tu allonges. Tu montes, tu descends. On lève, on baisse. On lève, on baisse. Tu souffles, tu inspires. Tu souffles, tu inspires. Tu te grandis, tu serres ton ventre. Les pieds bien à plat, les genoux un tout petit peu fléchis, d'accord. Ton bassin, il est neutre. Tu bloques le bassin en verrouillant les fessiers un petit peu, hein, d'accord. Ça te donne de la stabilisation. Encore, 4. Allez, encore 3. Courage, encore 2. Tu restes avec des coudes à 90 degrés et là, tu bloques. Petit mouvement. Allez, tu respires bien. Tu souffles, tu respires, tu te grandis à max. Allez, courage. Pense à ta respiration, hein. Ok. Bon, j'espère que tu as pris de la charge. On est ok. On a parlé des bouteilles d'eau plein de fois sur les autres séances. J'espère que tu prends des sacrées bouteilles. D'accord, des cubis. J'espère que tu prends des bouteilles assez conséquentes. Rappelle-toi que la charge, c'est ça qui va amener aussi le progrès.
Tiens bon, j'en veux 4. Et 3. Et 2. Ok, tu montes les deux en single. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Ok, tu gardes les bras tendus, tu restes ici. Roule un peu tes épaules. Je veux que tu ouvres ta cage thoracique, d'accord? Je veux pas que tu aies les épaules en avant. Tu te replaces, on reprend. Single. Allez, tu m'en fais 4. J'en veux encore 3. J'en veux 2. Tu fais la dernière et tu allonges tes bras. Ok. Élévation latérale. Sur les côtés. Tu montes. En deux temps, tu descends. En deux temps. Tu souffles. Tu lèves. Tu baisses. Tu baisses. Tu montes les haltères à peu près à la hauteur de tes épaules. Pas trop en arrière. Je veux pas que tu aies les bras derrière toi. D'accord? C'est un peu plus devant. Tu montes. Tu descends. Tu montes. Tu descends. Serre le ventre. Stabilise-toi. Les genoux un tout petit peu fléchis, le bassin bloqué, les fessiers engagés. Allez, courage. Respire, souffle en levant, inspire en descendant. Souffle en levant, inspire en descendant. Tu fais la dernière. Ok, tu repasses en biceps. Allez, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Souffle, inspire. Ça va tout le monde? Allez, courage, tu t'accroches. Hein. J'en veux 4. Encore, j'en veux 3. Tiens bon, et 2. Tu fais la dernière, tu allonges tes bras, ça va devant. Monte, en deux temps, descends, en deux temps. Souffle, ouvre ta cage thoracique. D'accord? Tu n'emmènes pas tes épaules en avant, tu ne fermes pas tes épaules en avant. Tu montes, tu souffles, tu descends, tu inspires. T'es pas obligé d'avoir les bras hyper tendus là. Encore 2. Dernière, devant. Ok, tu repars sur le côté. Tu montes à l'extérieur. Tu reviens au milieu. Continue. Tu montes sur l'extérieur sans dépasser la hauteur de tes épaules. Tu montes. Tu souffles. Tu baisses et on accélère. C'est maintenant. Monte. Baisse. Monte. Baisse. Souffle. Allez, souffle. Ça commence à piquer là. Personnellement en tout cas. J'espère que chez toi aussi. Allez, on continue. Tiens bon. Tu fais la dernière. Tu reprends les biceps, single, monte, descend, et monte, descend. Courage, 4, allez, 3, 2, la dernière, tu bloques à 90 degrés. Essaie de ne pas emmener tes coudes en arrière, ça je veux pas, d'accord? C'est devant. Tes coudes, ils sont le long de tes côtes, d'accord? Ils sont vraiment sur le côté, ni devant, ni derrière, sur le côté. Tu respires, tu t'accroches. Serre bien ton ventre. Encore 4. 3. 2. Monte les deux en single. J'en veux 4 grands. Allez, j'en veux 3. J'en veux 2. Tu restes en haut. Stop. Lève tes deux bras au plafond. Le ciel, tu montes et tu redescends. La descente, tu la contrôles. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore. Souffle. Inspire, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Souffle. Inspire, encore. Essaie de ne pas creuser ton dos, hein, d'accord? Tu dois sentir tes abdominaux serrés. Ton dos, il reste neutre. Accélère. 8. Allez, 7. Souffle en levant. 6. Tiens bon. 5. Encore un peu. J'en veux 4. Allez. 3. Retiens la descente. 2. Dernière. Ok, tu relâches, tu souffles. On pose un des poids au sol. Alors moi j'ai 2 kilos là, d'accord? Si t'as un poids de 2 kilos, tu gardes tes 2 kilos. Si t'as un peu plus, tu gardes juste un poids. Si t'avais que des petits poids, tu prends les deux. Tu mets 2 kilos dans ta main. Ok? 2 kilos dans le bras droit. Ok? Attrape ton coude. Tu mets ta main au-dessus de ta tête. Ta main gauche, elle est au-dessus de ta tête. Ton biceps, il est collé à ton oreille. On est d'accord? On est bon là sur le mouvement? Tu fais attention de ne pas casser le poignet là. La main droite, tu ne casses pas ton poignet. On descend doucement. Descends. Élève. Inspire. Et souffle. Regardez un tout petit peu vers le bas. D'accord? Pas complètement tes pieds, hein. Juste un petit peu vers le bas. De manière à ce que ça dessine un léger double menton pour éviter de casser tes cervicales.
respire ton ventre. Ok, tu descends l'haltère au niveau de tes omoplates. Et tu montes, continue. Descends. Et monte. Descends. Et monte. Encore. Baisse. Lève. Tu m'en fais encore une. Baisse. Lève, change de bras tout de suite. Tu changes, c'est avec ton bras gauche. Tu passes ta main droite, ton bras droit dessus de ta tête. Baisse en deux temps. Monte en deux temps. 1, 2, 1 et 2. Continue. Protège ton poignet. Tu ne casses pas ta main. Tu gardes la main dans l'axe de ton avant-bras. On continue en deux temps. Est-ce que tu serres le ventre? Tu ne dois pas avoir les fesses qui sortent. Tu bloques bien, tu serres le ventre. Encore, accroche-toi. Retiens la descente. Encore, tu montes, tu souffles, tu descends, tu montes, tu souffles, tu descends. Tu m'en fais encore 4. Allez, monte. Inspire, descends. Tes les genoux souples. Garde tes genoux souples. Il t'en reste 2. Tu fais la dernière. Ok, tu relâches, tu changes d'exercice. Tu reprends ton deuxième poids. Ok? T'es un tout petit peu penché en avant, tu serres le ventre, tu sors un peu les fesses. Ici, bras tendus, tu ramènes. Tu montes, tu ramènes. Les deux bras montent. Tu regardes loin devant toi. Sors la poitrine. Les omoplates, elles sont rapprochées l'une de l'autre. Tu resserres un peu tes omoplates. Tu serres le ventre. Respire. 8, 7, 6, 5, accroche-toi. Allez, encore. 4, tiens bon. 3, 2, tu vas travailler un seul bras à la fois, bras droit. 4, 3, retiens la descente. 2, dernière, change de bras, c'est gauche. 1, 2, 3, et 4, encore bras droit. 1, 2, 3, et 4, à gauche, 1, 2, tu t'amuses pas à tourner toi, hein, j'espère, hein. Ok, c'est les deux en même temps, les deux, souffle, tu reviens, tu te grandis et tu lèves, monte. Allez, bosse tes épaules, respire bien. Souffle, inspire. Est-ce que ton ventre est serré? Est-ce que tes pieds sont bien statiques? D'accord, tu dois avoir les pieds largeur de ton bassin, largeur de tes hanches éventuellement. T'as les genoux un tout petit peu relâchés. Tu me serres ton ventre, tu te stabilises. Tu n'emmènes pas tes épaules en avant. Tu gonfles un petit peu la poitrine. Allez, courage, j'en veux 4. Et j'en veux 3. Allez, j'en veux 2 encore. Tu repars avec les biceps. Tiens, bon, on monte, descend. Allez, courage. Accrochez-vous. On travaille bien le haut du corps. Soufflez bien. Ok, tu vas rester bloqué en haut. Tu montes. Reste. Tes mains sont à hauteur d'épaule. Fléchis un peu, hein. Monte. Souffle. Descends. Inspire. Essaie de garder une parallèle entre tes avant-bras. Observe bien les bras. Ok, essaie de respecter ça. Travaille en symétrie avec tes bras. Viens mimer mon mouvement. Quand tu tends tes bras, tu ne tends pas tes jambes. Tu gardes les genoux un peu relâchés. Ne creuse pas ton dos. Accélérer, j'en veux 16 rapides. 16. 15. Tiens bon, c'est la fin. 14. 13. 12. 11. Allez, ça pique, on s'accroche, on est ensemble. 10. 9. 8, 7, 6, retiens, 5, 4, 3, allez tiens bon, 2, et la dernière, et on a terminé. Bravo, vraiment top, 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 vraiment bien, super. Allez, tu bois un coup, respire, bois un petit peu. Maintenant, on va prendre 10 minutes pour s'étirer, pour se relâcher, d'accord, pour souffler après cette séance. Bravo, c'était le 12e hashtag
la douzième séance avec vous, 12e workout, d'accord. Merci beaucoup pour votre présence sur tous ces lives, merci pour votre présence pour aujourd'hui d'être là avec moi pour ce dernier live, d'accord, sur les bords de la Loire à Nantes. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci pour votre soutien, d'accord, merci énormément. Je vous laisse boire un peu, vous vous installez au sol, vous enlevez vos chaussures, vous vous mettez à l'aise, d'accord. Allez. Prenez le temps de vous installer et respirez. Soufflez bien. Alors, amener tes deux genoux fléchis à la poitrine et tu vas balancer tes jambes sur les côtés. Vous roulez sur le dos, vous respirez bien, vous baissez un petit peu le menton vers la poitrine. Respirez. Vous allez tendre une jambe au sol, tendez votre jambe droite. Amenez le genou gauche vers vous. Respirez bien. Vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel. Étirez. Restez dans cette position. Soufflez. Baissez un petit peu votre menton vers la poitrine. Essayez de descendre.
sol vers vos mains. Très bien, on relâche, on remonte. Déroule le dos tranquillement et reviens assis sur ton tapis. Tu vas fléchir ta jambe droite et tu vas aller chercher en appui un petit peu au niveau de ton tibia droit. Tu vas aller chercher sur le côté, tu poses ton ventre le plus possible sur ta cuisse droite. Ton pied gauche peut légèrement tourner pour s'aplatir au sol. Tu respires. N'hésitez pas à poser votre tête, relâchez complètement le haut du corps. Plus tu peux allonger tes bras, plus ce sera bon aussi pour l'étirement dans ton dos. Relâche bien. Ok, tu remontes, tu pousses dans tes bras, tu reviens ainsi. Tu réallonges ta jambe droite, tu fléchis ta jambe gauche et tu fais la même chose de l'autre côté. Viens déporter le poids du corps sur l'extérieur. Respire bien. Pose ton pied droit éventuellement à plat au sol et descends au maximum le ventre sur ta cuisse gauche. Respire. Repose tes mains au sol et déroule. Déroule le dos, amène tes deux pieds face à face. Tu ramènes tes talons proches de toi, tu saisis tes pieds. Et tu vas étirer ton dos, tu restes dans cette position. Tu laisses simplement tes jambes descendre vers le sol. Pour le moment, tu ne forces pas, tu restes dans cette position. Sens la pointe des fesses dans le sol et étire ton dos. Grandis-toi un maximum. Vous allez maintenant exercer une contraction avec vos cuisses pour descendre les genoux. La contraction dans tes cuisses te permet de descendre tes genoux. D'accord ? Contracte-les. Respirez tranquillement. Relâchez la contraction. Puis soufflez, contractez à nouveau. Descendez les genoux. Inspirez, relâchez la contraction. Expiration, contractez dernière fois vos cuisses. Et souffle, relâche. Très bien. Vous vous installez sur les genoux, sur les tibias. Et vous allez passer en position coquillage. Allongez votre dos, posez la tête au sol. Les pieds, les genoux sont un petit peu écartés, les mains sont largeur de vos épaules et étirées dans vos doigts. Tu vas aplatir ta main droite au sol. Ton bras gauche, il va passer sous ton bras droit. Et tu vas regarder ton bras qui est parti sur le côté. Tu regardes ta main gauche. Tu as toujours les fesses posées sur les talons. Respire. Revenez doucement par le milieu. Allongez maintenant le bras gauche devant vous. Le bras droit va passer sous votre bras. Vous regardez votre main droite. Allez chercher sur le côté gauche avec votre regard. Gardez les fesses basses. Amène tes mains à côté de tes genoux, déroule le dos,
Très bien. Tu vas placer ton pied droit devant toi. Emmène ton pied droit en dessous ton genou. Tu avances le bassin au maximum. Ta jambe derrière toi va être le plus possible allongée. Tu étires dans tes orteils. Ici, ton talon doit être sous ton genou quand ton bassin est descendu au maximum. Tu poses ta main gauche à l'extérieur de ton genou droit et tu ouvres ton bras droit et tu regardes ton bras droit le plus possible. Tu tournes tes épaules, tu descends le bassin dans le sol. Respire bien. Emmenez le pubis le plus possible vers le tapis. Et revenez doucement avec le regard, avec votre bras. Poussez dans votre pied droit. Revenez. Allongez maintenant le pied gauche loin devant. Laissez descendre votre bassin. Le tibia bien à la verticale, ton genou au-dessus de ton talon. Grandis-toi bien, étire le plus possible tes orteils de ta jambe droite. Amène ta main droite contre ta cuisse gauche, ouvre ton bras, ouvre tes épaules. Donc j'espère que ça vous a plu, ça a changé, essayé de changer un petit peu d'environnement. Merci beaucoup, en fait on m'a laissé l'accès à ce super spot qui est un lieu privé, d'accord. Ce sont des entreprises qui travaillent là habituellement et avec ce confinement qui ne sont pas venus dans leurs locaux. Donc ils m'ont laissé accéder à cette terrasse, donc je les remercie énormément. Merci beaucoup, ça vous a permis, ça vous a permis aussi d'avoir un super visuel lors de ces séances, donc je les remercie grandement. Je remercie aussi grandement mon technicien, parce que comme vous savez, je ne suis pas toute seule, vous avez dû remarquer. Donc je lui adresse un grand merci, une petite dédicace, voilà, à mon soutien pendant ces lives. Et je vous remercie effectivement tous vraiment énormément pour votre présence, pour votre confiance, pour votre soutien. Voilà, vraiment merci beaucoup. La semaine prochaine, pas mal d'activités vont reprendre, mais pas le sport en club, d'accord. Donc je prends l'initiative de me donner une chance de quand même pouvoir faire avancer mon entreprise en proposant des séances en extérieur, où là du coup on sera sur des mini-groupes et tout ça, ça va se mettre en place avec vous et aussi grâce à vous. Je ferai les déplacements pour amener ces séances. On sera 10 personnes maximum comme l'impose le gouvernement et les,
et les mesures sanitaires. Donc tout ça, ça va se mettre en place. Si vous souhaitez des séances de coaching à domicile, comme je peux le proposer habituellement, si vous avez plus de temps avec ces périodes un peu particulières liées au Covid-19, n'hésitez pas, si vous avez envie que je vienne chez vous pour tout ce qui sera coaching sportif, nutritionnel, conseil nutritionnel, vraiment bien-être, tout ce que vous avez envie, en fait, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. C'est mon métier, d'accord, donc je travaille pour ça, c'est ce qui me fait vibrer, donc je suis vraiment là pour vous et ça me fera vraiment plaisir. Je suis très émue. Merci à tout le monde. On a un super spot quand même aujourd'hui, donc je voulais vous montrer ça. Je me reprends un peu, je reprends mes émotions. Mais merci vraiment beaucoup, beaucoup. Profitez de cette petite vue, bord de Loire, sur Nantes. Merci, merci encore. Merci à tout le monde pour les petits mots, pour les attentions, pour la générosité. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me solliciter, à me contacter si vous avez des questions, tout autre. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre et voilà, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver vraiment, de vous avoir face à moi et de reprendre toutes ces activités, j'espère le plus vite possible, même si c'est pas la priorité, le sport n'est pas une priorité au vu des mesures. Voilà, merci vraiment beaucoup, profitez de ça, profitez de ce paysage, prenez soin de vous et j'espère à très vite. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir les petites informations et j'ai oublié de préciser que samedi, il y aura mes dernières séances live privées également pour un cours de Zumba et cours de Elia, 18h30, vendredi soir. Je dis samedi ou j'ai dit vendredi, je ne sais plus, mais c'est vendredi là. 18h30, cours de Zumba et 19h30, cours de Elia. 2 heures de cours privés, c'est 5€ la séance. Vous connaissez un petit peu mon fonctionnement maintenant, donc n'hésitez pas si vous souhaitez assister à ces séances. Voilà, et toutes les informations sont sur les réseaux. Retrouvez-moi sur Instagram, toujours sur YouTube et sur Facebook, Séverine Easy Sport. Merci de m'avoir donné la force. Force à vous aussi. Et si vous faites cette séance en replay, bah, c'est chouette. Et merci énormément, énormément, énormément. Je vous embrasse.
Je vous dis à très bientôt. Merci énormément. On arrête là pour la vidéo. Merci beaucoup. Je compte sur vos hashtags, sur vos tags, sur vos stories, vos photos. Merci énormément. C'est la dernière. Ciao, ciao tout le monde.